Salut, c'est Fred. J'espère que tu as la forme. Je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo qui a pour but de présenter Ose vivre ta vie. Parce que c'est vrai que je n'ai pas fait de vidéo de ce type. Et donc, je me suis dit, eh bien, pourquoi pas faire une vidéo de présentation qui sera donc en première page sur ma chaîne YouTube, mais également sur mon site internet Ose vivre ta vie. On va aller tout de suite à l'essentiel. Ok, où est-ce que je vais donc t'expliquer qu'est-ce que c'est que Ose vivre ta vie? C'est quoi l'idée? Qu'est-ce que ça représente tout ça? D'accord? Donc, moi, si tu ne me connais pas, je m'appelle Frédéric Goyer, déjà, première présentation de moi-même. Ok, donc je m'appelle Frédéric Goyer, comme je viens de te le dire. Je suis dans la vie thérapeute énergéticien, coach en développement personnel. Je pratique également le channeling qui consiste en fait à canaliser des messages pour communiquer avec nos guides et d'autres présences invisibles. Ça, c'est mon activité principale. Et puis, j'ai décidé en 2020 de faire basculer mon activité aussi, de m'étendre plutôt sur Internet en proposant des formations en ligne, en proposant du contenu au travers des vidéos et plein d'autres choses dont je vais te parler justement aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà donc pour la petite histoire. Donc, Ose vivre ta vie, c'est pas seulement, c'est déjà une présence, c'est pas seulement, j'allais griller les étapes, ok, parce que j'ai pris des notes. Bon, c'est une présence sur les réseaux sociaux, ok, déjà première chose. Actuellement, au moment où j'enregistre cette vidéo, je suis présent sur Instagram, LinkedIn, Facebook et YouTube. YouTube étant le cœur de ma présence sur les réseaux sociaux, puisque moi je communique beaucoup par vidéo, si peut-être tu le sais déjà. Je communique donc beaucoup par vidéo et donc mes vidéos sont avant tout postées sur YouTube puis après redistribuées sur les autres réseaux. Le but, l'objectif en fait de Ose vivre ta vie sur les réseaux sociaux, en fait, c'est d'offrir des conseils, des astuces et des axes de réflexion pour t'aider à oser vivre ta vie, à croire en toi, à te faire confiance, en prenant conscience en fait que tu es le créateur de ta vie. C'est toi qui crée ta vie, c'est toi qui crée absolument tout ce que tu vis. En prendre conscience, c'est déjà une chose, mais après, il faut savoir aussi comment gérer tout ça. Voilà. Donc, ma présence sur les réseaux sociaux, c'est pour ça, pour t'aider à prendre conscience de ça, et puis te filer des astuces comme ça, des outils pour que tu saches te débrouiller justement tout seul, de manière autonome, indépendante. Ensuite, Ose vivre ta vie, c'est aussi un site internet. Désolé, je regarde mes notes en même temps. Un site internet où est-ce qu'il y a plusieurs choses. Okay, la première chose sur le site, c'est qu'il y a la newsletter à laquelle je t'invite à t'inscrire, à t'abonner. En fait, la newsletter, j'y offre des astuces, des conseils et des exercices encore plus poussés qu'au travers des vidéos. Toujours dans cette dynamique en fait de t'aider dans ton cheminement personnel. Ok, moi, ma cam, si je puis dire, ma passion, c'est la connaissance de soi. Ok, et donc c'est quelque chose sur lequel je communique, c'est toute ma vie. Ok, ça représente toute ma vie, la connaissance de soi. Et donc je t'accompagne comme ça au travers des emails que je t'envoie à faible fréquence. Ok, c'est pas énorme, il y en a peut-être 2 emails sur 10 jours. En gros, donc je t'envoie des emails à faible fréquence et avec plein de conseils comme ça et d'exercices pour t'aider justement dans ce cheminement, apprendre à te connaître, toujours dans ce but de gagner en autonomie, de comprendre finalement ton propre mode d'emploi, ton propre mode de fonctionnement pour sortir de tes schémas peut-être limitants, polluants, avec lesquels tu n'es peut-être pas à l'aise, okay, qui ne te conviennent peut-être pas. Et donc pour sortir de ça et accéder à une vision de toi qui te convient, voilà, une vie qui te convient, tout simplement, apprendre à te connaître. Donc c'est presque, en fait, cette newsletter, c'est presque une formation, elle toute seule, voilà, pour comprendre un petit peu l'idée. Sauf que celle-ci, elle est 100% gratuite, tout comme d'ailleurs tout ce que je propose sur les réseaux sociaux. Mais sur le site, il n'y a pas que ça, il y a aussi des formations payantes. Des formations payantes qui ont pour but en fait de t'apprendre à croire en toi, à améliorer l'estime que tu as de toi et tout simplement apprendre à te faire confiance, tu vois, à avoir confiance en toi. Okay?
savoir justement développer ton intuition, être à l'écoute de toi-même, comprendre comment est-ce que tu communiques avec toi-même, comment est-ce que tu peux être ton meilleur allié dans ta vie, justement parce que tu es le créateur de celle-ci, donc t'aider à créer une vie qui te ressemble, à laquelle tu aspires vraiment, d'où oser vivre sa vie. Donc, il y a les formations payantes pour aller plus loin dans ce travail. Ok ? Je résume, la présence sur les réseaux sociaux, on parle de pas mal de choses mais assez vaste. La newsletter qui va un peu plus au cœur des choses. Les formations payantes qui vont encore plus au cœur des choses. Ok ? Et pour aller encore plus loin, de façon vraiment personnelle, individuelle, il y a aussi sur le site Ose Vivre Ta Vie, la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour des accompagnements individuels, où là, je mêle coaching et soins énergétiques, où je t'accompagne justement dans la prise de conscience de tes blocages, tout ce qui te gêne dans ta vie, tout ce qui te freine dans ta vie, d'accord ? Ça peut être donc des maux physiques, des maux psychologiques, d'accord ? Puisque tout ça, c'est lié à qui tu es. Donc, mon travail consiste à t'aider, à t'accompagner dans ton cheminement intérieur pour justement mettre en lumière comme ça des choses qui te bloquent à tel point que tu en souffres. D'accord ? Le but étant bien sûr de, en mettant tout ça en lumière, faire disparaître cette souffrance. Faire transformer finalement des choses qui sont au premier abord peut-être limitantes, gênantes pour toi, en choses qui sont peut-être finalement des véritables qualités, des outils exceptionnels qui peuvent te permettre de vivre une vie exceptionnelle. Tout simplement, oser vivre ta vie. C'est toujours le même schéma, ok ? Sur le site, il y a, en plus des accompagnements individuels, je propose aussi des séances de channeling. Le channeling, c'est de la canalisation, c'est-à-dire que j'ai cette capacité à pouvoir communiquer avec d'autres fréquences énergétiques, des guides, mais d'autres fréquences encore, okay, des anges, des archanges, d'autres fréquences. Et donc, je peux canaliser comme ça leur message de manière à te permettre de communiquer en fait avec eux, okay, leur poser des questions et puis peut-être voir les choses sous un angle nouveau, avoir de leur part à eux des conseils qui sont vraiment propres à toi, okay, auxquels personnellement je n'aurais peut-être pas pensé. D'accord ? Donc, channeling. Mais il y a également, en dernier point, les soins énergétiques sur photo. Au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est tout nouveau. Je ne proposais pas ça jusque-là sur Internet. Je le faisais exceptionnellement en tant que thérapeute énergéticien. Mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas proposer ça en plus sur Internet ? Après tout, c'est un travail sur photo. Donc voilà, je te propose donc maintenant des soins énergétiques sur photo qui ont pour but en fait de libérer des charges émotionnelles, d'accord ? Les émotions, c'est de l'énergie, ok ? Qui peuvent rester bloquées. Et en gros, la libération de charges émotionnelles, c'est un petit peu comme une purification, ok ? Un nettoyage énergétique, d'une certaine manière. C'est quelque chose qui prend un certain temps à se mettre en place, d'accord ? Entre le moment où est-ce que je fais le soin sur photo et le moment où est-ce que tu vas ressentir les effets, il peut se passer une semaine, ok ? Une à deux semaines, où est-ce que tu vas sentir des choses, tu vas vivre des émotions, tu vas vivre des émotions particulières, voilà. Mais en fait, ce sera tout simplement la conséquence de ce nettoyage, pour te libérer, d'accord ? Puisque c'est toi, encore une fois, qui te libère. Je ne fais que t'accompagner. Les soins énergétiques sur photo, c'est aussi la possibilité de t'aider à la guérison. Donc, je m'explique. Je ne vais pas soigner tes blessures, okay, mais c'est t'accompagner finalement dans la guérison. Si par exemple tu souffres, ça peut être souffrir d'un cancer par exemple, d'accord ? Il y a des personnes qui sont en soins par rapport à un cancer, d'autres qui sont en soins parce qu'ils ont une fracture, okay, tu t'es cassé le bras ou cassé la jambe, je ne sais pas, ou même d'autres choses, okay, d'autres types de maladies où tu es en cours de guérison, eh bien le soin énergétique sur photo peut t'aider justement à accélérer cette guérison, à renforcer ton système immunitaire, à aider ton corps à se régénérer, d'accord, plus encore, tout simplement. Voilà. J'ai fait le tour, ok, pour cette présentation de Ose Vivre Ta Vie. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
que je t'invite déjà d'ailleurs à partager. Ok, merci beaucoup pour faire connaître au plus grand nombre justement ce que je te propose et ce que je propose au plus grand nombre. Et puis maintenant, eh bien, si tu as des questions, tu peux me les poser dans les commentaires. Tu peux prendre contact avec moi sur le site justement pour un rendez-vous en accompagnement, okay, ou du channeling ou du soin énergétique sur photo. D'accord ? Là, pour ça, on aura juste un rendez-vous téléphonique. Après, ensuite, tu m'enverras les fichiers par email. Et puis, bon, je t'expliquerai par téléphone comment tout ça, ça fonctionne. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a la chaîne YouTube et les réseaux sociaux où je te partage toujours plus de vidéos. Voilà. Avec également les interviews des artisans du bonheur qui ont pour objectif, c'est vrai que j'en ai pas parlé, donc je vais en parler maintenant. Les interviews des artisans du bonheur, elles ont pour objectif, en fait, de te montrer qu'il existe plusieurs formes d'accompagnement, plusieurs personnes aussi, hein, plusieurs praticiens et plusieurs pratiques qui sont là, qui ont pour objectif finalement toujours, au fond c'est un petit peu toujours le même objectif, c'est l'éveil de conscience, c'est l'autonomie, l'indépendance, voilà, se libérer, okay, de ce qui nous pèse pour aller mieux et cheminer dans sa vie de manière en pleine conscience, voilà. Et donc le bonheur d'être soi, la joie d'être soi, ok ? Une vie qui a du sens, vivre une vie qui a du sens. On en revient toujours à se oser vivre sa vie. Voilà. Ce coup-ci donc, j'ai vraiment fait le tour. Merci pour ton attention, merci donc d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis à la prochaine, et puis ose vivre ta vie, prends soin de toi, pour de vrai. Ciao, ciao !